Chance que Dieu peut nous donner pour que nous gagnions ce premier match, pour que nous entrions dans la compétition d'une bonne manière et que nous espérions avancer correctement. Donc nous prions que toutes les chances soient de notre côté. Est-ce que vous avez peur de l'échec? Oui, c'est d'abord
le pays organisateur. Non seulement ça, et cette équipe a son sein un des meilleurs joueurs d'Europe. Donc voilà, c'est un des donateurs, Salah. Mais le Congo reste le Congo. Le Congo est imprévisible. Le Congo, là on ne l'attend pas, c'est là où il fait mal. Donc voilà, nous espérons que les jeunes gens vont se dépasser. Le Zimbabwe battu hier. Qu'est-ce que l'air de Congo a la chance, déjà dans la double confrontation ici, avait perdu et fait un match de l'autre côté. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe, il ne faut pas qu'on la néglige. Et c'est maintenant qu'elle sera très mordante parce qu'elle cherchera à refaire le retard. Donc il faut que nous soyons très prudents, que nous prenions ce match-là au sérieux et que nos joueurs se surpassent encore une fois pour gagner le match de l'Ouganda, du Zimbabwe, pour atteindre l'Égypte. Voilà. Est-ce que vous pouvez lancer un message aux joueurs, un message du président Foucault? Oui, aux joueurs, nous disons qu'il faut ce regain de nationalisme, cette fierté, cet amour d'appartenir à une grande nation du football en Afrique. Donc, ils doivent nécessairement mouiller le maillot. Ils doivent mouiller le maillot pour faire plaisir à ces 80 millions de Congolais qui nous ont mandatés pour venir les soutenir en Égypte. Merci. À quelques heures de la rencontre RDC-Ouganda, est-ce que vous accordez la chance à la team 243 qui va croiser tour à tour l'Ouganda, le Zimbabwe et l'Égypte? Bon, nous sommes optimistes, hein, d'autant plus que, comme vous savez, la préparation, la préparation a eu lieu en Espagne dans de très bonnes conditions. Et ils sont arrivés en Égypte déjà les 17 pour s'acclimater. Donc on n'a pas enregistré quelque chose de désagrément. Donc tout est au point et c'est maintenant aux joueurs de défendre. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire, la fédération et le gouvernement pouvaient faire, ça a été fait et on reste optimiste. Est-ce que bon, vous avez la plaque tournante, l'argentier, est-ce que les joueurs ont déjà touché leur but? Non, les joueurs, ce n'est pas question qu'ils ont touché, mais le premier des principes. Les joueurs savent que leur argent est là, on les a déjà communiqués, et le principe est qu'ils reçoivent l'argent après match. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de débat, parce qu'ils connaissent ce que le gouvernement a débloqué, et comme ils savent que l'argent se trouve entre mes mains, pas de problème. Vice-président, qu'est-ce que vous pouvez leur demander comme mot d'ordre aux joueurs? Nous demandons aux joueurs que tout le Congolais est derrière l'équipe nationale et tout le Congolais veut voir l'équipe nationale arriver le plus loin possible. Si pas, nous ramener la coupe au pays. Merci. Honorable Barbara Kakouba, ancien ministre, aujourd'hui vous accompagnez une fois de plus l'équipe nationale de l'RDC. Quelles sont les chances que vous accordez à ces 20 combattants? Je dis toujours que comportement, je suis confiant. Moi, je suis un ministre ou babengi lisanga. Il y a sangi si besoin pour toi accompagner l'équipe. Donc moi, les autres qui tiennent à cœur. Je voudrais dire aux joueurs que basala ou basalaka, baye la biso victoire. Mais le grand problème c'est quoi? Tous en akera, tous au bunda, na équipe. Mais si manabiso kuna bazo bunda, kuna gouvernement. Moto ya abongisi ma kanisi, oyo potolona. To soit victoire. Au moins akere balongolié. Mais moto ya kuya, nous sommes en pleine compétition africaine. Vous les changez pour amener un nouveau qui va commencer à se rechercher. Et nous allons perdre bêtement. Moi, j'espère que même le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, tu sais qu'il dit ici, il me suivait à ce moment. A nommé le ministre Nyonso, Atikanano Ndekolisanga a continué jusqu'à la fin de la compétition. Merci. Charles Batam, tu es au Kitana Yatiam. Ah, tout ça, mais voilà. Ouais. Ah, ok. C'est un peu de la chance. 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 C'est un peu de la chance.
Nande na banaku dans un bassin. Donc on a déjà la mine dans la vie. Heure d'ici, Kalamingite Azobeta déjà dans Ouganda et puis Bolanda, Égypte, Zimbabwe. Est-ce que tout ça a la chance d'avoir se qualifié dans l'étape pour aller? Mais ouais, les chances sont là. Les 13e supporters voulaient vraiment encourager l'équipe. Et moi, nous avons trouvé la délégation à Petit Amunda. Moi, le voir est là bien. Mais c'est une déception pour nous. On est venu pour soutenir l'équipe. Nous n'allons pas regarder les premiers matchs. Mais quand là, cela n'empêche. Nous allons essayer de corriger les efforts pour que les prochains matchs, nous puissions prendre nos états de disposition. Et surtout, mais bon, les chances sont là par rapport à cette phase. Je vois que l'équipe sera qualifiée. D'abord, c'est la victoire. Nous devons d'abord arracher ça. Nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est le message que les premiers sportifs congolais ont envoyé aux joueurs. Qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils représentent toute une nation. Nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé le pays. C'est pour qu'aujourd'hui, on puisse défendre notre drapeau et notre couleur. Nous avons besoin de la victoire. C'est bien pour ce message du chef de l'État, mais est-ce que tout le plan précis, tout le plan financier, toutes les dispositions sont prises pour que le 11 national congolais se produise comme il faut au stade aujourd'hui? Nous avions eu le même message du premier sportif congolais qu'avec lui pour les joueurs. Il n'y aura jamais de problème de prime, il n'y aura jamais de problème où les joueurs vont se lamenter. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé pour l'entraînement. Ils sont partis s'entraîner dans de très bonnes conditions et je pense qu'aujourd'hui nous n'avons pas droit à l'erreur. Excellence, moi, je vais vous donner un message à la supporter, parce que les sportifs ne sont pas dans la vie. Je suis un sportif qui a et pas d'habitude en Mboka. Excellence Félix Antoine Tshisekedi a dit Biso à l'obile Kamba délégation Kende Kouébisa Bande Kobao Bazali Kuna que Baye Bamokuma Monnaie Bazali Nango Totiki Baboti Totiki Bana Toyawa Ponako Loba Tozoa Lelo Victoire Potome Mayango Nango Macha Lelo Aliboso Biso na Uganda Tokosala Nyonso Ponatolo Nango. Je vous remercie, merci à Paul Ndjambe. Je vous remercie, 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 je vous remercie,
après si bah moyen pour n'abri pour la tête bas joueur n'abiso passe à la nyoso pour la tozonga na ilonga na mboka na biso. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. Quatrième président de la République démocratique.